Aujourd'hui, il veut farfader velu, j'aimerais parler du Strange 157 datant de janvier 1983. Ah ! J'avais acheté ce bouquin avec mon argent de poche, désireux de connaître le sort réservé à Iron Man dans la revue précédente. Mais il faut dire que la couverture avait de quoi m'exalter le cortex, avec ce Daredevil aux prises avec le chasseur, super vilain aux mains mortelles, pour qui finit entre ses doigts de criminel froid et sans scrupules. Toutefois, cette couverture m'intriguait car elle ne correspondait pas à l'aventure de Daredevil contenue dans cette revue puisqu'elle avait déjà eu lieu dans le Strange 155, 2 mois plus tôt. Lux était visiblement emmêlé des pinceaux. Voilà qui est cocasse, non ? Non. Mais peu importe, cette couverture est somptueuse comme une jeune naïade duveteuse sur la lagune vénitienne dont les sens échaudés sont une invitation au voyage coïtal. Lux s'est inspiré de la couverture originale du Daredevil 158, épisode mythique où Frank Miller commence sa collaboration à Daredevil. Mythique car la revue, comme l'art de la BD, va changer sous les doigts experts de Miller. Avec lui, les récits acquièrent la qualité d'un film noir, ce qui va modifier l'orientation du titre et va lui donner une autre dimension. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive, Zombie ? Je rêve ou quoi ? Tu ne dis pas des horreurs sur Miller aujourd'hui ? Bon, j'ai pas envie. Attends mec, t'as plus rien dans le falzar ? Si, le rouge à lèvres de ta sœur. Ah, comment tu m'as tué, mec ? Bref, pour mettre la main sur ce fameux numéro 158 de mai 1979, il vous faudra débourser aujourd'hui 180$, ce qui n'est pas donné. C'est le prix d'une vasectomie. Oh bah t'es là, toi ? Bah ouais. Mais t'es en retard, hein ? Y'a un répandeur à fumier qui s'est retourné sur l'autoroute, tu veux voir l'état de mes godasses ? Oh ! Mais tournons fébrilement la première page pour étudier le contenu en un seul mot de ce bel ouvrage dépourvu de PTFE. Mais là, je dis vague. Vague ! On retrouve l'épisode 153 d'Iron Man de décembre 1981, écrit par David Michelinie et Bob Layton, et dessiné par John Romita Jr. et ancré par Bob Layton. Iron Man est en fâcheuse posture dès la première page, prisonnier du laser vivant, quelque part en RDA. Ce vilain personnage est apparu pour la première fois dans l'Avengers numéro 34 en novembre 1966. Nommé Arthur Parks, ce technicien avait attaché des canons laser à ses poignets pour devenir le criminel connu sous le nom très swag à l'époque, mais kitsch aujourd'hui, de laser vivant. Et puis ça fait pas vraiment peur. Même les bisounours trouvent ça tapette. Un mouche ? Quoi ? Le vilain explique qu'au fur et à mesure de sa carrière, son pouvoir a régressé, comme l'intellect des jeunes d'aujourd'hui au collège, et qu'il ne cesse d'absorber l'énergie de n'importe quelle source lumineuse, ce qui risque de provoquer un jour une surcharge d'énergie risquant de lui être fatale. Et c'est alors que des agents est-allemands l'ont contacté pour l'utiliser afin qu'il active des satellites russes militaires avec son surplus d'énergie. Il y trouve son compte et ses motivations sont donc loin d'être connes dans cette histoire. Iron Man finit par se libérer et livre un magnifique combat. C'est une pure merveille graphique. Un truc énorme. Tu veux voir un truc énorme ? Gros beauf ! L'épisode se termine avec la supposée mort du laser vivant qu'Iron Man n'hésite pas à achever pour préserver la sécurité du monde. L'épisode est dur. Comme man. Planète. Putain ! Iron Man est froid et implacable, mais il n'a pas le choix. L'épilogue est aussi intéressant avec Tony Stark qui se fait plaquer par Bethany Kaibe, puisqu'en libérant son mari de RDA, elle doit rester à ses côtés, mettant un terme à sa liaison cochonne avec Tony. Un très bon épisode que j'ai relu une centaine de fois. Et qui a cette bonne odeur de levrette. Ouais, un peu comme les andouillettes. Quoi ? Bah, tu vois, gros, y'a pas que toi qui est con. Hein. Faudra t'y faire, tonton. Je rappelle à la plèbe que la belle Bethany Kaibe est apparue dans Iron Man 117 en décembre 1978. Ce garde du corps et femme de poigne représentait sous la plume de Michelinie la montée du féminisme et des femmes indépendantes qui se manifestaient dans les années 70, blasées de jouer bobonne à la maison. Vous pouvez voir cette première apparition dans le Strange 119 de novembre 1979, dont le titre est « L'espion qui me cherchait chez Lug », titre adouci par les éditions lugiennes car l'original s'appelait « The Spy Who Killed Me » et dont je ne peux m'empêcher de penser que c'est une allusion au James Bond, l'espion qui m'aimait, sorti en 1977. Quelle perspicacité, gros ! Bref, cette belle louloute avait de quoi stimuler les fantasmes des jeunes détumescents de l'époque. Moi-même, je n'étais pas indifférent à cette belle rousse. On dit pas rousse ou roux. En 2021, c'est raciste. Ah bon ? Alors on dit quoi, alors ? On dit blond vénitien. C'est plus politiquement correct. Et Rookmout, ça va, c'est politiquement correct ? Oui, bref, Bethany, sous ses apparences de jolie poupée, est une véritable arme de destruction massive avec ses atouts. Tu parles de ses boobs ? L'épisode finit avec les larmes de Tony Stark. Je trouve ça assez attendrissant. Ah, le pouvoir de l'amour. Putain de hippie. Eh hey, mais mec, t'as fait du frigo ou tu viens de la planète Mars ? Les hippies n'existent plus. Et puis on enchaîne avec l'épisode de l'araignée tiré de l'Amazing Spider-Man numéro 202 de mars 1980. Le Punisher, ou devrais-je plutôt dire le Punisseur, a démasqué Peter Parker. Ce dernier s'en sort avec un rebondissement qu'une époque capillotractée. Marv Wolfman, Kate Pollard et Jim Mooney nous livrent un récit mouvementé avec une fin qui n'a pas été censurée par Lug, alors qu'on y voit le méchant
de l'histoire percutée et écrasée entre une voiture et un réverbère. C'est violent et c'est passé. Comme quoi, c'est vraiment n'importe quoi, hein, cette histoire de censure chez lui. Bon, du coup, on a un épisode correct qui, sans briller par son intrigue, est quand même moins chiant qu'une conférence du regretté Stephen Hawking en panne de batterie. Non mais sois pas méchant, gros. L'épisode de Daredevil est tiré du Daredevil 160, datant de septembre 1979. Roger McKenzie, Frank Miller... Et Claude Johnson nous offre un somptueux épisode où le tireur s'en prend à la veuve noire afin d'attirer Daredevil dans son piège. C'est un très bon épisode. Ne pouvant tirer sa crampe avec Heather, Matt, en vieux beau, voudrait quand même noyer le cornichon dans le bocal. Les cornichons, c'est pour les noobs. Moi, je connais un truc avec les concombres et du beurre. Mais t'es lourd, toi. Oh là là. Bref, il se rabat sur Natasha. Ah oui, Natasha. Ah, et ça va, gros, avec ta Natasha, hein. Épargne-nous tes fantasmes graveleux. Mais va pratiquer le coït avec ta génitrice, toi. Oh. Bref, Daredevil ne la trouve pas chez elle. Il enquête alors et il retrouve les sbires du tireur qu'il bolosse avant d'adresser un message clair. Il va retrouver le tireur et leur péter la gueule. C'est un très bon épisode qui met l'eau à la bouche. Non, pas de commentaire, toi. J'ai rien dit. Enfin, l'épisode de Rome voit la fin de l'intrigue avec Galactus. Tiré du Rome numéro 27 de février 1982, Bill Mantlo, Sal Buscema et Joe Sinnott nous montrent le marché conclu entre le grand cornu cosmique et Rome pour épargner Galador. En effet, la planète est trop proche de la nébuleuse noire et voit son espérance de vie aussi réduite que celle d'un technicien à Tchernobyl en 1986. C'est drôle, ça. Après avoir dressé une sépulture digne à Terminator, tué dans l'épisode précédent, Rome s'engage à devenir le héros de Galactus s'il les débarrasse des spectres noirs. Galactus affronte donc l'énergie qui anime les spectres noirs et il va avoir quelques problèmes d'indigestion avec cette fameuse nébuleuse noire. Eh, visiblement, c'est aussi indigeste que de la moule pas fraîche, hein. Tu me fatigues, mec. Mais tu me fatigues tellement. Résultat, Galactus épargne Galador en l'éloignant de la nébuleuse, mais au final, tous les chevaliers de l'espace se retrouvent sans planète à dériver comme des roms. C'est drôle, hein, comme des roms. Non. Sur des météorites au milieu de l'espace. Un épisode aussi épique que dramatique dans son final. Et donc voilà, loin d'apporter tristesse et déception comme Ready Player One, ce Strange 157 fait vraiment le café. Il fait partie de ces choses rassurantes qu'on a tripotées toute sa vie. Comme... Non, toi, tu te tais, toi. Vas-y, joue pas ta tespé. C'est vulgaire et cela dénote en toi un certain manque de talent dans l'art de l'éloquence. Parce que tu penses avoir du talent, gros? Bah, demande à ta mère. Voilà, mon vieux farfadet passionné, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé de vieux souvenirs mouillés. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Laisse pause blow et n'achetez pas chinois. On se retrouve très bientôt pour un nouvel instant nostalgie et je l'espère sans l'autre gros beauf là. Bisous velus mes farfadets. Ma belle, tu je sais où tu te caches. Viens ici que je te fais. Non, un bel rap ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.